Demain, dimanche 23 mars, auront lieu les élections municipales. La question, est-ce que vous allez voter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que vous conseillez aux Français qui se rendront peut-être demain aux urnes? Alors, d'abord, je ne m'adresse pas aux Français qui vont aux urnes. Je m'adresse à tous les êtres humains en rupture de marchandises pour retrouver les terrains de la communauté humaine universelle. Ce que nous a appris la Commune de Paris, comme ce que nous ont appris les insurrections chouennes et vendéennes, ce que nous ont appris tous les toutes les grandes fractures de 36 et de 68, c'est que l'avenir de notre vie humaine contre la marchandise n'est pas dans les urnes. Les urnes, quel que soit le racket politique qui les organise, sont des systèmes qui visent à proroger par la votation le système de la servitude, de l'aliénation et de la domestication. Le choix qui nous est posé aujourd'hui pour les années à venir n'est pas de choisir un mode de domestication en la marchandise pour une économie donnée contre une autre économie donnée. Le choix qui nous est posé, c'est à bas la politique, à bas l'économie et vive l'insurrection de l'être pour l'abolition de l'argent. Merci, je vous remercie. Merci.